je me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi ? Catastrophe, Obélix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ? Panoramix ? Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés ? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches ? De la petite fichette maison. Impeccable ! Doupeccable ! Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler deux, trois trucs. On me surnomme Magnetix. Et là, les très bons. Dis, vas-y mollo sur la frime, quand même. Ave César, cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos ? Quelle est cette manigance, Sulfurix ? Ce soir, c'est la fin du village de crétins moustachus. La fin d'Astérix ! Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide ? Je sais pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Ça, tu sais bien ce que ça fait chaque fois. J'ai modifié. Si à 10, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt ? 1. Si t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le gros lardon ? Il ferme un peu son caca, là ! Tu veux faire le show avec moi ? Ah, bah oui, c'est fini, là. Oh non, moi, je pense que je devais être sur la fin, fin, fin.